que je suis vainqueur en Jésus-Christ. Aussi que tu es vainqueur en Jésus-Christ. Lui-même il avait dit que sans moi vous ne pouvez rien faire. Tu es vainqueur au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur bénisse sa présence ce soir. Et qu'il puisse encore te fortifier pour les choses à venir. Toi qui étais hier et qui t'es retrouvé aujourd'hui en Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse richement. Que le Seigneur Jésus-Christ t'ouvre les ciels ce soir. Jésus-Christ ce soir. Te donne aussi l'opportunité de recevoir les bénédictions de tous les jours à venir. Parce que nous croyons dans tous les jours à venir, le Seigneur sera toujours avec nous. Qu'il te bénisse richement, bien aimé. Sans plus tarder, nous allons faire la lecture de nos textes. Dans le bango. Nous prenons Jean chapitre 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après cela, il y a une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, après près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a cinq portiques. Sous ce portique était couché un grand nombre de malades. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier. Après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que soit sa maladie. Nous prenons le chapitre 7. Toujours du livre de Jean. Nous allons lire le verset 19 jusqu'au verset 24, jusqu'au verset 23. Yohani mokapo na sambo. Nazela na zombi na libwa. Ici c'est Jésus qui dit. Awa Yesu ne motana. Il dit Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Jean 7. Yohani mokapo na sambo. Je suis au verset 19, jusqu'au verset 23. Nazela na zombi na libwa. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. La guérison de l'homme là-bas à la piscine. J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision. Non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un
un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Jugez, ne jugez pas selon l'apparence. Mais jugez selon la justice. Nous prenons notre dernier texte. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 3. Nous lisons au nom de Jésus Christ. Nous lisons le verset 8. Nous prenons même le... Nous prenons même le verset 16. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi. Et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur. Moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés. Tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Le matin, et voici, ce n'était pas mon fils. Et j'avais enfant. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse ses écritures. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse les écritures que nous venons de lire. Amen. Parce que l'enseignant, c'est lui-même Dieu. C'est lui qui va nous donner la consolation croyante de ses écritures. Amen. 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 C'est lui qui va nous donner la consolation. Nous fustigeons cette attitude d'intimidité. Depuis hier, on avait dit que nous sommes dans la fête. Il faut attendre toujours à la libéralité de Dieu. Il faut causer la table au nom de son nom. La libéralité. Dieu te fasse des dons. À la libéralité de Dieu. La libéralité, faire des dons. Parce que tu es venu dans la fête. Tu es venu dans la présence du Seigneur. Nous répétons toujours qu'il n'y a pas un lieu qui soit agréable que celui-ci. Ce séminaire ici, le Seigneur l'a organisé pour toi. Le Seigneur l'a organisé pour te faire du bien. Le Seigneur l'a organisé pour te bénir. Il veut que tu observes tous ces jours de notre séminaire afin qu'il puisse aussi décanter les situations dans ta vie.
afin qu'il puisse te délivrer du filet de l'oiseleur. Afin qu'il puisse te délivrer des pièges de l'ennemi. Afin qu'il puisse te faire du bien. Ça, c'est le secret de Dieu. Même si les autres vont se lasser de se présenter ici, vont se lasser de se présenter. Toi, saisis cette opportunité. Parce que le Seigneur veut te bénir. C'est ce que nous avions dit hier. Le mouvement de l'ange, la descente de l'ange pour agiter les hommes. On avait dit que c'était aussi le mouvement de Dieu dans la première alliance. Il venait accorder le salut à quelques-uns. Il venait accorder le salut à quelques-uns des malades. Afin qu'ils entrent dans la grâce. Afin qu'ils quittent les portiques des malades. Mes frères, il faut savoir aussi le mouvement de l'ange, frère, pour agiter les hommes. Ça peut être aussi ce séminaire. Ça peut être aussi ce séminaire. Si tu n'es pas violent, tu es seulement comme l'homme de 38 ans. Qui, lorsqu'il se met à courir, les autres prennent le devant sur lui, il ne va pas rester comme ça longtemps. Parce que même le royaume de Dieu, c'est un problème. Ce sont ceux-là qui savent faire violence. Sans la violence, ça ne va pas bénéficier du royaume. C'est pourquoi je te dis, frère, ils vont te mettre à l'œuvre lorsque les gens sont agités. Je disais que le Seigneur a organisé ces choses pour toi. Cela ne te servira de rien de rester à la maison. Pendant que les autres viennent écouter la parole, pendant que les autres viennent ici pour prier, quand tu restes à la maison, tu t'accroches à ton travail. Tu n'es pas zélé pour te retrouver ici. Tu n'obtiendras rien de Dieu. Profite lorsque les autres sont agités. Le Seigneur est capable de te donner des solutions là où les hommes n'ont pas pu. Et toi, profite de l'agitation des hommes. Et le Seigneur est capable de te donner des solutions vraies. Dans des problèmes que tu viens de temps en temps expliquer au pasteur, la solution c'est dans l'agitation des eaux. Je te dis que ce séminaire aussi c'est l'agitation de Dieu. Et c'est en même temps aussi la visitation de Jésus-Christ. Mais toi, profite de tous les deux. Profite de tous les défaits. Ne reste pas à la maison. Saisis l'opportunité. Un jour seulement peut suffire pour toutes tes plaintes. Un jour seulement peut suffire pour ton célibat. Un jour seulement pour ta stérilité. Pour ton chômage. Parce que Dieu fait des miracles. Il regarde ceux-là qui sont persévérants. Parce que toi, tu ne sais pas quel jour il
descendra l'ange. Car le jour les eaux sera agitée. Mais nous savons seulement qu'il descend de temps en temps. Alors, l'attitude de ceux qui étaient sous les portiques, c'était qu'ils étaient là très concentrés. En train de regarder les eaux. Ils n'étaient pas distraits. Parce qu'ils savaient que leur salut en dépendait. Si ce n'était à rêver, à ne pas prendre garde, alors cela veut dire qu'il n'avait pas compris souci de leur problème. Cela veut dire quoi? Il n'avait pas aussi souci de leur problème. Si ce n'était à rêver, si ce n'était à se distraire, il était toujours là. Le peuple ne recevait pas encore la guérison.
les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous a été réservée. Il y a un peu de temps à la cour, et dans mon lit, il y a un peu de temps à la cour. C'est la nuit dans ta vie.
C'est-à-dire cette femme-là, elle s'est contentée avec un enfant
mort pendant toute la nuit. Mais lorsque le matin est venu, j'aime ça. Lorsque le matin est venu, cette femme-là regardait l'enfant. Moi, je suis là. C'est difficile parfois et dans la carte, moi, je passe de reconnaître les bébés. Oye, bah, bébé malade. Surtout les bébés blancs. Bah, bébé, oye, hein? La plupart, c'est les hommes. J'ai dit la plupart des bébés se ressemblent. Quand tu les regardes comme ça, c'est difficile, même à la maternité. C'est pourquoi on échange des enfants facilement. Parce que c'est difficile d'identifier les enfants. Mais la femme là. Kasi, moi, si parce que le matin était là. Le point à tombe, ça la tua. Regardez l'enfant. Atali moana. Mais ça, c'est pas mon enfant. Atali malabo. Oh, moana na gai. Ça, c'est pas mon enfant. Oh, ya, zali moana na gai. On veut changer d'enfant. Ça, bon, moni na imoana. Pourquoi? Pour la nini? Parce que le matin était là. Oui, t'es tombe, et bien, le matin. Le matin. Tongo. C'est la parole. Le yamoni noba. Jésus-Christ qui vient te dire aujourd'hui qui est dans l'état. Parce que cet état n'est pas le tien. Mais c'est lui qui est dans l'état. C'est pourquoi il était monté à Jérusalem. On dit que Jésus savait vraiment que cet homme était malade depuis longtemps. Donc quand il montait, il se disait que je vais là-bas au temple pour guérir cet homme-là. Il fournit beaucoup d'efforts, mais il y a toujours des gens qui le dévancent. Je t'ai dit la vérité. Le séminaire, c'est pour toi, bébé. Seulement si tu as le cœur ici. Seulement si tu es décidé. À bénéficier de cela. Vous savez, le matin c'est quelque chose de très important. Parce que je disais, Jésus qui monte à Jérusalem, c'est comme la lumière. C'est comme le matin. Il vient terminer les inquiétudes des gens. Vous savez Goliath. Il sortait le matin. Il jette les défis. Il sort le soir. Il jette les défis. 40 jours. Et tout le monde le fit. Mais un matin suffisait. On dit David est venu de grand matin. Pourquoi? Pour la nini. Il était venu le matin comme la lumière pour chasser les ténèbres. Les ténèbres qui étaient là, c'était Goliath. Il terrorisait tout le monde là-bas. Même Saoul le fuyait. Saoul avait peur de lui. Saoul il voulait même décourager David. Il y a toi un enfant comme ça. Cet homme-là, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Mais lui savait le Dieu qu'il servait. Lui savait le Dieu qu'il servait. Et ce matin-là, Goliath est terrassé. Goliath a quoi il s'est Espère en l'éternel. Et que les gardes n'espèrent pour l'avenir.
Oh, Nazalina, yes.
Et je voudrais te dire que ça me paie bien. Yango en encore en mataki. Na Yerusalem en pelo. Père Monaki, vous êtes en train de me faire. Aïe, ma qui est en yon, quoi, mimi, ou est belé. En voulant est belé. Azaraki na mignonko. Mais aïe, ça qui est vêtu d'être guéri. Yemi sans santé en benga. Pole! La bombe est yo. Na kati na likambo na yo. Na kati ya bakerasi na yo. Na kati ya misala na yo. Na chômage na yo. Na libala na yo. Na likambo nyonso ezala ki kotukisa yo. Po ete balobi ete. Les gens qui étaient à jeter. Qui se jetait dans la piscine, quelque fut sa maladie, il était guéri. Il y a une sans abri à l'Italie. Ton sang béni n'a pas volé ce Christ. Soit-en sans béni.